Qu'est-ce que la police des polices vient faire ici? Inspecteur Jinko, au nom de la loi, je vous arrête. Coren menait sa propre enquête pour innocenter Jinko. Il est tombé sur le nom de Paulson, le marchand de glace. Un des sous-fifres de Dane, c'est exactement ce que nous pensions. Tu as dit que tu savais ce qu'ils manigançaient et pourquoi ils avaient piégé Jinko. Il s'agit de Mastermind, un programme informatique. Rejoins-moi à Interpol, le plus vite possible. Comme un félin caché dans la nuit, il est invisible, une ombre furtive. La taupe. Interpol, jetez vos armes à terre! Vite, filons! Cynthia, il y en a deux qui viennent vers toi! Considère-les comme neutralisés. Les bons petits garçons ne se battent pas avec les dames et les méchants ont une mauvaise surprise. Inspecteur! Attention, Coren, il y en a un qui t'arrive droit dessus. Je n'étais pas en planque, je l'ai raté. Il a filé dans le métro. Coren, je te prédis un brillant avenir à la circulation. Tu l'as raté. N'attends pas ton prochain métro. Il ne passera pas avant 5 ou 10 ans. Commissaire, on les a tous coincés, y compris le chef. En gros, c'est un succès. Très bien, Jinko. Mais en gros, on s'en moque. Jürgens, qu'est-ce que la police des polices vient faire ici? Inspecteur Jinko, au nom de la loi, je vous arrête. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. Je n'ai aucun commentaire. Je peux seulement vous dire que je suis innocent. Selon des sources non officielles, les preuves de corruption qui accableraient l'inspecteur Jinko consisteraient en des comptes bancaires non déclarés, en achats de propriétés luxueuses sous un faux nom, ainsi qu'en photos prises en compagnie de membres notoires de la pègre. De plus... Des documents accusateurs tout trouvés. C'est trop parfait. Oh, et regarde un peu pourquoi ils l'ont bouclé. Pas la peine. Je connais Jinko. Il ne peut pas être coupable. Quoi? Tu défends Jinko maintenant? Non. Jinko derrière les barreaux, c'est un ennui de moins pour moi. Mais, réfléchis. Nous savons que Jinko est incorruptible. Alors, c'est un coup monté. Exactement. Jinko s'est fait beaucoup d'ennemis tout au long de sa carrière. Tellement qu'on pourrait créer un club. Toi et moi, nous savons qu'il n'y a qu'un club assez puissant pour inventer une telle machination. La confrérie. Alors, on va voir de plus près? Les musées sont fermés, il n'y a rien de neuf au ciné. Oui, il faut qu'on aille voir ça de plus près. Qu'est-ce qui vous prend, Jürgens? Ça vous excite tellement de jouer avec la carrière d'un inspecteur? Ça ne m'excite pas.
J'ai des preuves. Assez en tout cas pour vous passer la corde au cou. Alors vous... vous feriez bien mieux de coopérer. D'avouer? Ouais. Avouer. Tenez, ce château... à Marly-le-Roi. Votre signature figure sur l'hypothèque. C'est un faux. Et ces photos, avec des trafiquants, qu'est-ce que vous en dites? Truqué. Oh, ça, je le sentais. Il est devenu bizarre depuis qu'il a chopé ce virus diabolique. Oh, parfait, c'est bien, Coren. Tu poignardes toujours tes collègues dans le dos, ou juste les meilleurs. Tu as toujours été jaloux de lui. Ce n'est pas sympa de dire ça, Cynthia. Assez! On a du boulot. Quelqu'un doit remplacer Jinko sur le projet spécial. Je suis votre homme, chef. Ça fait 8 mois que je travaille avec Jinko depuis le début de cette affaire. Et je vais vous dire... Oh, ramène-la encore plus vite et tu seras bon pour les prochains Jeux Olympiques. Vous, taisez-vous. Je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet. Mais vous aggravez votre cas. Regardez-le. Je n'avais encore jamais rien vu d'aussi triste. Toutes les informations que vous avez sur moi sont totalement bidons. Où est-ce que vous avez dégoté ces balivernes? Dites la vérité. On vous a payé pour les inventer vous-même, n'est-ce pas? C'est moi qui pose les questions, Jinko. À partir de maintenant, vous n'êtes plus rien. À partir de maintenant, vous n'êtes plus rien. Plus rien. Charmant comme tout, ce Jürgens. Jinko a raison. En travaillant pour la police des polices, il aurait eu 1000 fois l'occasion de fabriquer des preuves. Et ce type pas clair, ce Coren? Je m'occupe de Jürgens. Surveille Coren. Mais sois prudente. Pendant que tu le surveilles, celui qui est derrière cette affaire aura l'œil sur toi. Votre rapport? Tout marche comme prévu. On est dans les temps. Parfait, parfait. Continuez comme ça. Si je mets la main là-dessus, les fonds de la confrérie seront doublés dans l'année. Et surtout... pas un seul de ces policiers fouinards ne pourra s'interposer. Ah, c'est fantastique. Je sais que je pourrais me disculper si seulement je pouvais sortir d'ici. Je vais faire le maximum. Je peux toujours récupérer 2 hommes sur l'enquête belge. Non, ne fais pas ça. Ne mets pas ta carrière en l'air à cause de notre amitié. Attends, je n'abandonne pas les gens que j'aime. Mais... Cynthia! En ce moment, tu as besoin de tous tes amis. Ce requin de Jürgens attend que tu craques. Quant à Coren... Je parie qu'il s'est jeté sur mes enquêtes. J'ai pas raison? Bien sûr. Le bureau du crime organisé, Mastermind, les trafiquants d'ivoire au Gabon. Grafam ne les lui a pas confiés, j'espère. Non. Il est trop intelligent pour faire cette erreur. Je suis sûr qu'il fera le bon choix, quel qu'il soit. Moi aussi, j'en suis certaine. Allô, inspecteur Jürgens. Ici Déclude, médecin légiste. Nous avons besoin de vous au quartier général. Il y a du nouveau sur Jinko. Très bien. J'arrive. Profitez bien de votre balade, inspecteur. Système d'alarme désactivé. Très imaginatif, ce Jürgens. Enquête sur l'inspecteur Jinko. Faire voir, quoi.
Warren. Je n'ai rien à te dire. Allons, je suis sympa avec toi, Nicky. Et je ne suis pas obligé d'être sympa. Et je ne suis pas obligé d'être ici. Je pourrais t'embarquer au poste pour te faire parler. Ouais, tu rigoles. Tu ne peux même pas me toucher. Et je n'en ai aucune intention. Oh mince, je t'ai touché. C'est pas grave, je me laverai les mains plus tard. Dis-moi ce que tu sais sur Jinko. Ouais, d'accord. Mais d'abord, lâche-moi. Quelqu'un se donne beaucoup de mal pour avoir ton copain Jinko. Je sais pas pourquoi, mais... Et les preuves? Tu sais, la grosse baraque, celle que le type des infos disait que Jinko avait acheté. Oui, et alors? Eh ben, c'est pas Jinko. C'est Paulson qui l'a acheté. Paulson? Le voleur de bijoux? Mais il est toujours en prison depuis l'affaire des diamants de Rio. Et peut-être qu'il voulait une jolie maison pour quand il sortirait. Non, d'accord. Jinko est victime d'un coup monté. C'est sûr et c'est vraiment Paulson qui a acheté la baraque. Paulson? J'étais ravi de te revoir, Mickey. Ouais, on a bien rigolé, n'est-ce pas? Faudra remettre ça un de ces jours. Accumulation de témoignages sur une période de 8 mois. 8 mois. Ça me rappelle quelque chose. Où est-ce que j'ai... C'est la date où Jinko s'est mis sur le projet spécial. Qui était le projet Mastermind. Diabolique, tu m'entends? Impeccable, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai la preuve que ce n'était pas Corren. Je sais, j'ai un train d'avance sur toi. J'ai trouvé ce qu'il manigance. Il... Diabolique? Parle! Mais dis-moi quelque chose, je t'en prie! Du style où? Oh, c'est bizarre, je n'ai pas peur! Oh, donnez-moi une autre chance, madame, je peux mieux faire! Je parie que c'est ce que tu disais chaque fois que tu redoublais une classe! T'es de passage ici? Faut du compte t'installer pour le week-end? Qu'est-ce que tu fais ici, ma petite poule? J'avais envie de jouer, mais je ne joue pas avec les amateurs. Sa propre enquête pour innocenter Jinko. Il est tombé sur le nom de Paulson, le marchand de glace. Un des sous-fifres de Dane, c'est exactement ce que nous pensions. Tu as dit que tu savais ce qu'ils manigançaient et pourquoi ils avaient piégé Jinko. Il s'agit de Mastermind, un programme informatique. Pas le temps de t'expliquer. Rejoins-moi à Interpol le plus vite possible. C'est beaucoup plus important qu'on ne pensait. Et ça va se passer ce soir. J'arrive. Terminé. Répertoire automatique enclenché. Recherche Jurgens William S. Code de répertoire Interpol. Je viens de recevoir le même appel. Qu'est-ce qui se passe? Hé, je n'en sais pas plus que vous pour l'instant. Corren, vous ne savez jamais rien. Laissez-moi vous briefer tous les deux. Suivez-moi, il est peut-être déjà trop tard. Jinko ne mentait pas quand il disait que les preuves contre lui étaient fabriquées. Impossible! J'ai tout vérifié! C'est ce qu'ils avaient prévu, ils les ont laissés là pour que vous les trouviez. Mais qui ça? Ceux qui veulent pirater Mastermind. Mastermind? Mais vous rigolez, commissaire! Personne ne peut l'infiltrer! Pas de l'extérieur! Mais quelqu'un qui travaille sur le projet le pourrait. Et puisque Mastermind relie les dossiers secrets de toutes les forces de police du monde... Si les criminels piratent le système, ils auront accès à toutes les informations sur leurs activités. On ne pourra plus les arrêter. Voilà qui est bien pensé, Corren. Et ils ont monté un coup contre Jinko parce qu'il était après eux. Cynthia! C'est toi? Modification du protocole de sécurité du projet Mastermind engagé. Vous voyez, ils voulaient le remplacer par leur propre agent. Que faites-vous ici? Vous ne seriez pas en train de détourner des informations? Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Depuis le début, je vous soupçonne d'être complice. J'espère que votre trahison vous rapportera un beau paquet. Plus maintenant. Puisque vous allez sans doute reconfigurer Mastermind, je vais devoir me contenter de moins que prévu. Corren! Tu n'es pas stupide à ce point. Transfert de l'annuaire terminé.
Ça ne rapportera pas autant que le programme Mastermind, mais la liste de tous les agents secrets d'Interpol devrait sûrement intéresser mon client. Si vous livrez cette disquette, vous condamnez à mort tous ces agents. Il savait que c'était un métier à risque. Vous ne profiterez pas de cet argent. Croyez-moi, je ferai tout mon possible pour en profiter. Dites-nous pour qui vous travaillez. Quelqu'un que vous n'arrêterez jamais. Code Alpha amorcé. Le code Alpha sert à piéger les intrus. La porte est condamnée. Commissaire ? Eva ? C'est Cynthia. Elle essaie de s'enfuir. Elle vient de passer devant moi. Elle se dirige vers la Seine. Elle a volé une moto. Suis-moi avec la voiture. Elle va sûrement livrer à Dan les informations qu'elle a volées. J'ai quelque chose pour vous. Paiement à la livraison. Votre chèque sera prêt. Je veux du cash. Et beaucoup. Dispatcher, ici Coren. Message à toutes les patrouilles, recherchez l'inspecteur Cynthia Ray. Et signalez la disparition du commissaire Graffam. On a assez joué. Dan ne doit pas être bien loin. Rends-toi, Cynthia. Naomi, va informer la confrérie qu'une nouvelle vie de domination va enfin commencer. Diabolique! Non! Je ne te laisserai pas faire. Dane, il ne faut pas qu'on nous trouve ici. Au revoir, Cynthia. Je parie qu'ils t'ont gardé l'ancienne cellule de Jinko. Inspecteur Jinko, vous êtes innocenté et rétabli dans vos fonctions. Félicitations. Jinko, j'ai toujours refusé de croire que vous étiez malhonnête, mais je devais faire mon devoir. Je comprends, Graffam. Comment as-tu su que c'était Cynthia ? Je n'en avais aucune idée, mais quand j'ai vu que les preuves que Jurgens avait trouvées contre Jinko dataient du moment où il avait commencé à travailler sur Mastermind, j'ai compris que ce n'était pas une coïncidence, et que le coup monté y était lié. Mais pourquoi ce soir-là ? Cynthia n'aurait pas pu pirater Mastermind n'importe quand ? Je me suis rendu compte que le détournement des informations secrètes au profit de Dan devait se faire avant que Mastermind soit connecté. Sinon, l'ordinateur aurait signalé l'infiltration. Alors, l'agent, quel qu'il soit, devait agir à tout prix ce soir-là. Alors c'est grâce à nous que Jinko retrouve son ancien boulot, qui est de nous pourchasser. C'est plutôt drôle, non ? Ouais, si on veut. Il faut avoir un solide sens de l'humour.
Reconnais que s'il n'était plus là, ça te manquerait, je n'ai pas raison. Je suppose que nous sommes condamnés à être les meilleurs ennemis du monde.